La Côte d'Ivoire compte parmi les invités d'honneur à cette édition du Grand Magal de Touba, la plus grande fête religieuse du Sénégal. À la tête de la délégation ivoirienne, Imam Issoufou Doumbia est porteur du message du Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Alors nous remercions une fois de plus le Khalife parce que par son esprit d'ouverture, il nous a permis d'avoir un spécialiste de la télécommunication et de la technologie, qui est le professeur Mboup, qui a pu venir chez nous en Côte d'Ivoire pour nous aider à avoir la technologie IP pour que El Bayan soit aujourd'hui la première chaîne IP de Côte d'Ivoire et qu'on peut visionner partout où vous vous trouvez sur l'étendue de la terre. Les autorités sénégalaises ne sont pas en marge du Grand Magal. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diom, a salué la contribution de la communauté des Mourides à la paix et à la stabilité du Sénégal en dépit des tensions politiques. Donc le 19 marque la scène officielle avec l'arrivée des autorités administratives, coutumières, les familles religieuses du Sénégal, les délégations qui viennent de l'étranger pour présenter leurs vœux au Khalife général des Mourides. La délégation envoyée par l'État du Sénégal. Donc c'est une occasion pour permettre à toutes ces délégations et entités de se retrouver et surtout pour les disciples que nous sommes d'avoir, d'écouter et de méditer sur ce message annuel qui nous est adressé par le Khalife général des Mourides. Le calife général des Mourides, Cheikh Muntaka Mbake, a insisté sur la fraternité entre musulmans d'ici et d'ailleurs, valeur chère au père fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba. La valeur, en plus de son contenu intrinsèquement spirituel et culturel, il y a aussi ce brassage des peuples. Et c'est d'ailleurs heureux aujourd'hui que l'on puisse recevoir depuis Abidjan la chaîne Al Bayan qui s'est déplacée. Sa présence veut tout dire. Comment le Khalif, donc vous avez reçu aussi veut tout dire. Donc, Inch'Allah, Cheikhoul Aïma, on le remercie aussi de ce geste vraiment noble parce que, donc, empêché, il a dépêché donc, son adjoint, vraiment, et vous, donc, un grand imam donc, à la mosquée, pour venir donc, le présenter. Cette année, le Grand Magal de Touba a mobilisé près de 5 millions de fidèles selon le comité d'organisation.